Yo 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 yo! Salut à tous, ici Chita, j'espère que vous allez mal et que vous n'avez pas le moral de trouver une vidéo joviale. Les gens, nouvelle série qui s'appelle Black vs White ou White vs Black, à vous de choisir le nom que vous voulez lui donner. C'est une série PVP, alors je ne sais pas combien d'épisodes vous mettre parce que je ne sais pas quelle va être votre disponibilité pour participer au serveur. Un serveur vient d'ouvrir avec la communauté Nexus, pas la peine de demander l'IP ou quoi que ce soit parce que le serveur est bouclé de toute façon. Le but du serveur, c'est tout simplement deux factions, les noirs et les blancs. Le but de chaque faction, c'est de tuer le plus d'ennemis possible de la couleur ennemie. Imaginons moi je suis noir, j'ai tué des blancs, récupérer leur implant et les valider, et à la fin de la saison, d'ici une dizaine de jours, la faction qui a récupéré le plus d'implants ennemis va l'emporter, avec en plus de ça pas mal d'événements, quelques soirs par-ci, quelques soirs par-là. Pour ma part, vous l'avez compris, je fais partie des Blacks avec toute une équipe, on est une quinzaine, on a commencé du coup hier soir, je vous mets du coup un premier épisode où on a installé notre base, on a commencé à faire un peu de PVP, vous allez voir, etc, etc. Dans tous les cas, c'est une saison bien sympa, ne vous inquiétez pas, ce sera pas au détriment de Jungle Vanilla, le projet on le finit, on le boucle jusqu'au bout, donc retrouvez-moi sur le PVP tous les après-midi. Dans tous les cas, j'espère que l'épisode va vous plaire, je vous dis à la prochaine, c'était Chita. Ciao. C'est bon, oh, c'est top, c'est parti. C'est bon, c'est top. Vous aviez pas dit que vous vouliez des appâts la dernière fois? Bon, allez, ça commence. Dire des bêtises. Ah bah voilà, il y en a un qui a sauté. On se voit direct ou pas? Je sais pas, je regarde les coffres. Oh, il y a un coffre ici. Il y a des trucs dedans. C'est ceux qui sont en bas, c'est ceux qui ont sauté. On aura peut-être mieux. Merci. Tony, go ou pas? À vous de trouver les armes cachées. Ouais, je pense, ouais. Ah, mais y'a pas de flèche. Coffre du centre. Mais oui, coffre du centre. Non mais, ah oui. Prenez pas tout, prenez pas tout, prenez pas tout. Ça commence déjà comme ça. Attends, je vais redéposer. Qui a un compo, qui a un arc compo? J'ai des flèches là. Vous avez des balles, commencez à tirer. Je mets les flèches dans le coffre de notre côté. Je mets les flèches dans le coffre de notre côté. Oh putain, attendez, je sépare le stack. Mais mettez tout ce que vous avez en trop dans le coffre. Moi je trouve rien, donc ça dans le coffre du milieu. Oh putain, ça freeze. Aïe, attention, aïe, ça tire. Aïe. Ah bah, oui, ah bah déjà, il y a une tourelle. Oui, il y avait une tourelle dans un truc. Ah, il a pris sa balle. Fais gaffe à Zog, il est pas bien le mec en face de toi. Oh, t'inquiète, je vais l'allumer. Ah, elle est où la tourelle là? Pour fermer, pour fermer, pour essayer de refermer la flèche. Pour fermer la porte. C'est bon, il est mort. Yeah. Le est mort. Là, je vais essayer de fermer la porte. Y'a un putain de raptor. C'est bon, elle a fermé la porte. Ok, parfait. C'est bien que c'est piégé par endroit. J'ai des bolas, je vais aller le bolas. Qui c'est qui a pris tout le fuel là? Il est mort. Y'a des tourelles activées ou quoi? Il est bolas, il est bolas. Qui ça? Qui ça? Qui ça? Skyzone, Skyzone. Devant Skyzone. Vas-y, lui là, il est bolas. Faites gaffe. GG, les gars. Bien joué. C'est le dragon! Là, tu es le dragon! Bien joué, les gars! Bien joué! Allez, on prend l'avantage, on prend l'avantage! Vous tirez pas dessus! Est-ce que vous avez des balles? Y'en a un touché derrière le... Attends, là-bas. Ça lag, non? Ouais, un peu. Je leur lance une grenade. Allez, Ryzaz, il est mort! Quelqu'un a un fusil à pompe, j'ai des munitions en plus à lui donner. Moi, attention, y'a quelqu'un qui a un flingue juste devant, faites gaffe! À gauche, il a un flingue. On focus à gauche, on focus à gauche. À gauche, sur Pimi, Pimi, fais gaffe! Essayez le bola. Mets-toi à l'abri, mets-toi à l'abri, Pimi. Nickel. GG les gars. Je suis cassé. Je sais pas où sont les derniers. Y'en a un à droite, à droite, à droite. C'est bon, Yolix. Au fond à droite. Au fond à droite. Je suis là, mais j'ai pas d'armes. J'ai posé qu'il y avait des derrière UC. GG ça. On se cover, on se cover. Aucun mort chez nous, aucun mort. J'avoue qu'on a perdu un bon moment. Les blancs qui terminent. Les blancs sont passés où les blancs? Récupérer les implants, je pense. Hein. Ah bah y'a plus, hein. Non, non, faut rien récupérer. Les implants, récupérer les blancs. Ils donnent les points là-bas. Non, 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 on les récupère pas les implants. Ok, ok, pardon, pardon, j'avais pas. Non, mais je te le dis. Est-ce qu'on peut prendre dans leur coffre ou pas? Je sais pas si les stuff on peut le garder. Par contre, on prend pas les implants. Je crois qu'on va mourir. Non, moi je suis morte. Les stuff on peut les garder ou pas? Attends. Eh, oh. Hey, maître, hey, Yogi, le stuff on le garde, ou pas? Oui. Oh, okay. On va récupérer tout. On va récupérer leurs armes et leurs munitions. J'ai vu un coffre où il y avait masque. Dans le coffre vers chez nous, j'ai mis des compagnons arrow. Attends, je vais les récupérer. Allez, parce que ça peut être bien. J'ai des rochers. Il y a un lance-flamme là, mec. Ah, merde, j'ai trouvé une munition. Hein. Je l'ai mis dedans la munition. Et alors, je lance-flamme si tu veux. Les gars, j'ai terminé, les gars. Allo, allo. Ouais. On a terminé, on sort. On sort avec Thomas. Là, okay. La grande porte au milieu. Je suis trop lourd. Moi, c'est bon, je suis pilasé. J'ai 108 compagnons arrow, les gars.
Le quoi, ils ont abandonné. On sort pas, on les a démontés. Voilà. Faut rien prendre dans les coffres, là, faut arrêter. On se met plus ou moins à un endroit, non, Yonix? Où on se couvre deux zones différentes. De channel comme ça. Ah non, je pense qu'il faudrait qu'on aille au même endroit. Hein. Ouais, faudrait tous qu'on aille au même endroit et on les rapproche. Attends. Bah, en vrai, on va exactement au même endroit. On commence à XP, on fait deux petites villes côte à côte et après on verra bien. Hein. On fait les avant-postes. Première soirée, c'est vraiment le but, c'est d'XP, XP et après tu Terry, il nous faut du Terry absolument. Faux, tu vois. Ouais, ouais. Parce qu'on veut faire une grosse base et après plein des avant-postes tout autour quoi. En vrai. Castor aussi, c'est pas mal. Bougez pas. Les lignes à Castor sont buggées, donc faut pas trop y compter. Ouais, là c'est du métal et c'est la priorité. C'est comme la perle, c'est la galère. Arrêtez de gaspiller des flèches. Je crois que c'est fermé par là-bas, non? Je crois qu'il y a de la terre devant nous. Oui, il faut aller à gauche. Je pense qu'il faut faire demi-tour. Parce que là, c'est un mur invisible. On est où, faut rejoindre les terres à gauche. Oh mon dieu, on se revient. On va se rentrer dedans, ça va être une... Attention. Ah, ah oui, on leur passe devant. Oui. Regarde. Salut Hugo, salut Jipi, ça va Chita, comment ça va? Ça va nickel la Jipi. Désolé pour l'instant, je peux pas trop parler avec vous. Là, ça va se calmer un petit peu. Bravo, ça commence bien. Il y en a vraiment qui ont des casques de mineurs, ça y est. Merci Yann. On va donc essayer de repérer la zone que j'avais, que je connaissais. Et je suis pas sûr que ce soit là-bas. Hein. Une zone, c'est un peu le Nirvana, tu vois. Il y a métal, opsi et cristal au même endroit, quoi. Et ben nickel, Guillaume. On est sur une saison PVP, les gens. Là, on est en train d'essayer de s'installer. On est les noirs contre les blancs. On a fait pas mal de petites choses. On a gagné la première fight. On a récupéré déjà pas mal d'implants, du coup. Et le but, c'est de récupérer le plus d'implants possible, bien entendu. Le PVE est plus dur que le PVP, lol. Bah pour l'instant oui, c'est normal, quand tu commences un jeu, même sur le serveur PVP, t'es toujours en galère quand c'est le début quoi. Sur Arc, c'est normal quoi. Bam. Ah, faire gaffe, hein, j'ai pas non plus un stuff de ouf. Du grappin, de l'épée au cas où, mais... Ah, il y a un lagon. C'est stylé le petit flèche dans le carquois là, j'aime bien. C'est là. C'est qu'il y a un problème sur la distance d'affichage là. Là-bas. Wow putain! Wow putain! Il y a la base des blancs! Je me cache et que je me démute. Oh putain! Oh putain! Alors attendez. Allô? Allô? Allô, à toi? Allô? Oui. J'ai la base des blancs. J'ai peur. Là où je vous montrais, là où je pensais aller. Il y a plein de pics et tout installés. Je vois des mecs, je peux tenter des balles de snipe, mais là je suis tout seul. Vous voulez pas qu'on y aille? Je vais te rejoindre. Non, il faut qu'une partie continue à avancer, l'autre partie... C'est là où je pensais qu'on pouvait s'installer, avec masse, métal, cristal... Et du coup, notre base, on l'a fait où? Faut qu'on se déchire. Bah du coup, ouais, je crois qu'on va pas la faire là-bas, quoi. Non, pourquoi tu me ramènes ça? Mais là où vous êtes, y'a pas de métal, hein. Faut essayer de trouver un autre endroit, y'a du métal. J'en ai plein de métal, moi. Ah ouais? Vous avez trouvé du métal? Ouais, s'il y a du métal dans un endroit caché, n'est pas trop loin de l'eau, c'est bon. Fais gaffe qu'ils descendent pas sur nous maintenant. Ils sont loin de vous, hein. J'ai vraiment traversé la map en parachute. Mais en position, là actuellement, je suis en. Alors la flèche elle est un peu bizarre, mais c'est en 65-75 en gros. 65-78. D'accord, ils sont au milieu de la map. Ils sont à côté d'une espèce de petit lagon. Enfin, plutôt de. Fleuve. Lac, pardon. Et en plein centre en fait. On peut pas le louper, il y a des pics. Je sais pas s'ils m'ont repéré, je crois pas. Je tombais nez à nez avec eux, j'ai fait ah, demi-tour. Sinon, on met une balle juste pour rire et après tu cours quoi. C'est lui qui vient de péter mon. Mais pourquoi vous faites deux armoires de conservation? Mais j'en avais fait une, mais on me l'a pété. Mais il y en a une là. C'est Bronto, non? Ah ouais, possible. Mais ouais, c'est Bronto. On n'avait pas un deuxième fire camp. Du coup, je vais observer les gars. C'est moi qui l'ai pété, il y en a juste une là. C'est toi qui l'a pété, Unix le Bronto. Non, mais. Tiens, Flamanga. Ouais. Tiens.
Qu'est-ce que ils ont mis plein de comme ça, vous avez pas le crafté, c'est déjà fait. Ouais, mettez tout. Ok, les... merci. Toutes les ressources dans l'atelier. S'il vous plaît. Limite, on craft deux ateliers, comme ça sera plus rapide si on n'a pas besoin de craft des trucs. Donc, on met déjà l'atelier déjà sur le navire. Ouais, ouais, comme ça, on en a un dans chaque. Tu peux m'en prendre un petit peu, je peux pas bouger. Mais ouais, mettez toutes les ressources dans l'atelier. Ouais, c'est ce que je. Faire quelque chose, les gens. Ouais, ils ont fait. Lac. On a le S+ ou pas? Je me souviens plus. Non. Ok, j'ai un visuel sur leur base. Ils ont Triceratops, fondation en pierre, mais ils sont tout ouverts. Ils ont posé une bémote. Ils sont tous en stuff avec des ailes. En vrai, vous voulez pas y aller? Bouclier. C'est dangereux d'y aller maintenant. On peut l'aider pas, blanc, ouais. Non, mais on a tout le stuff de l'autre. Ouais, non, c'est dangereux. Ouais, mais eux aussi, ils peuvent avoir du stuff. C'est greedy. Non, ils sont tous morts. C'est leur base, je vous rappelle qu'ils ont leur lit là-bas. C'est level 24. Ouais. D'ailleurs, faut qu'on entame nos dinos. Déjà, faut qu'on trouve un spot où se mettre en fait. Ouais, c'est pas que gris, c'est pas que le fait que ce soit gris, c'est que c'est aussi un peu genre en mode. C'est un peu bâtard. Et on est en mode raid. Ça peut être très drôle, hein. Tout le monde peut s'amuser, je pense. Il y en a un qui vient sur moi. Moi, ça m'inquiétait cette histoire. Qui fait? Alors, moi, comme je sais pas quoi craft, je vais tout. Une balle. Après, c'est le but du PVP aussi, tu vois. Ouais. Ceux qui veulent aller leur taper dessus, allez leur taper dessus. Et le bouclier se protège. Du moment que t'as envie de le faire, va le faire. Hein. Ouais, je l'avais broken, mais il a réussi à se barrer avec ce bouclier. Le PP. Non ? Mireille, c'est pas PP ? PP, il est avec nous. C'est PP. Non, PP, c'est 1-2-3, je crois. Non, mais Mireille. Mais il est avec nous en plus. Mireille, non, il est avec nous, PP. Ouais, bah faut qu'il vienne dans l'alliance. Il vient te tuer. Ah, il vient de tuer. Ah non, il vient de tuer Zilo, j'ai rien dit. Ok. Mireille. Ah, je croyais qu'il s'était dénommé 1-2-3. Qu'est-ce que. Ça serait pas Yonix par hasard? Mais non, Yonix c'est leur nettoyant. Non, Yonix. Ah oui, c'est leur nettoyant. Pas Yonix, excusez-moi, ATX. ATX, il est pas quoi? Il est pas là, je crois. Bon, peut-être que je vais rentrer, les gars, je les ai fait paniquer. Non, moi, je sais pas qui est Mireille du coup. Mais déjà, c'est bien parce qu'on sait où est leur base. Je suis en train de ranger les coffres au cas où. C'est pour ça que je vous ai dit. Il faut des loot. Hein, j'ai pris un loot. C'est quelle couleur? Oui, jaune. Jaune avec un halo et c'est pas ouf. Hein. J'ai juste eu des bottes 134 d'armure en métal et un BP nul. Faudra en faire plein pour avoir des bons trucs, justement. Jaune avec halo, c'est pas Ball. Si mal. De toute façon, les drops ont jamais été ouf sur le jeu. En fait, mais c'est pas ouf ce que j'ai dedans. Merde. Ouais, mais. C'est cool. J'ai le trisseau au cul maintenant. Du coup, ok. Bon, on est pas trop mal là. Merde. Donc c'est deux factions, nous on est les noirs, il y a des blancs en face, ça vient de commencer ce soir. Et le but c'est d'en tuer le plus possible, de récupérer leurs implants et de les stocker dans une zone safe. Donc là on est en train de se préparer, on vient à peine de s'installer une petite base. On va partir à deux pour essayer d'aller en tuer quelques-uns, on a déjà fait une dizaine de points grâce au fight au début. On les a éclatés les pauvres, on a été plus rapide qu'eux en fait simplement, malheureusement. Du coup on les a... Oh shit, j'ai dû très vite. Et là, on va se préparer pour partir. Voilà. C'est un peu compliqué faut pour faire moi de parler de lancement. Oh, trop classe. Ah ouais, j'avoue. Genre en mode, on se met au plus haut des sommets et on monte avec, tu sais, la fondation qui disait qu'on pouvait faire des bases aériennes là. Ouais, et on monte un truc hyper haut et on se jette de glider là-haut. Alors, du coup, on se fait un point. Est-ce que tu as des grappins? T'as des bolas? Des grappins, check. Ouais. T'as check. De quoi endormir? Ouais, et 25 flèches tranq, c'est peut-être un peu juste. Mais... Il y aura. T'as parachute? Ça j'ai pas pris, mais ça devrait suffire. T'as pas pris de parachute? Juste le glider? J'en ai pas. Ok, tant pis. Et est-ce que t'as un bouclier? Non, ça ça j'ai pas pris. Quand t'as pour PVP. Hein. Si t'es bolas, tu sors le bouclier, t'attends que ton pote vienne t'aider ou tu attends que le bolas s'arrête. Voilà, on est tout en haut, tout va bien. Oh, c'est quoi cette bulle tech? Ouais, c'est ça. What the fuck? Oh, bah ça c'est Ven Yogi ou quoi, genre non? Bah ouais, mais c'était pas le volcan côté de chez nous, y'a deux volcans? Non, c'est le haut du volcan. Ouais, y'a un event ici. Ah, c'est du sticky. 100 mètres qu'on va devoir pousser à la lave. Ça c'est du sticky ça. Alors voyons voir là où on est, il faut qu'on tourne. Le tour. Il est chaud. D'ailleurs le gravity.
la canche, j'ai pas trop suivi ce qui se passait. C'est quoi le concept de ce serveur? Red versus Black, non, Black and White. Deux factions, deux couleurs, le but étant de tuer le plus de gens de la faction ennemie, récupérer leurs implants, et à la fin de la session du serveur, qui dure une dizaine de jours, c'est l'équipe qui récupère le plus d'implants ennemis, qui l'emporte. Tout simplement, All Gravity. C'est des briefs le plus rapidement possible. Salut Kyoto! Comment elle va Kyoto? Où est-ce qu'il est bourrin? Ah bah depuis tout à l'heure je me bute quand je leur parle. Bah là je m'en bats les couilles. Oh les que deux. Ouh. C'est un peu moins. Ah c'est vrai que on je les ai rien. Ouais ouais mais t'inquiète. Fais-moi confiance, c'est pas là. Ah non mais je te suis, t'inquiète hein. T'es prêt? Monte, tu vas où toi? Oh, ah je t'ai vu descendre en mode... What, ouais non ça t'a fait un coup de friche, je sais pas. T'es ready? Ouais ouais vas-y. Tu me suis? C'est tout droit là. Ouais ouais. C'est tellement pas la bonne idée. Oula. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais c'était un petit test, je savais plus ce que faisait l'espace. Yo Jirep, comment il va Jirep? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu Jirep. Ma parole. Comment il va? Donc normalement c'est dans cette direction là. Maintenant j'aimerais bien qu'on descende un petit peu en dessous. Parce que là avec le brouillard c'est compliqué. Moi c'est bon je vois. Ouais c'est bon, c'est par là-bas. Je crois. Super. Même c'est que c'est on un peu s'arrêter compliqué. À la prochaine. Non, non, faut qu'on aille le plus loin possible. C'est tout là-bas. Il y a une montagne devant. On peut reprendre un peu de hauteur là-dessus à chaque fois, tu sais. Enfin, c'est trop bien les gliders. Ah ouais, c'est tellement jouissif. Et j'ai testé avec le jetpack, bah dis-toi que c'est la même chose sauf tu dois pas monter les montagnes, genre. Attends, j'essaie oula. De repérer, je sais pas où on est. Alors on vient en arrière de... Ouais non c'est par là-bas ouais, c'est sûr. Non c'est par là-bas, je me demande si c'est pas en bas là, en dessous de nous. Déjà non. Oh, non non. Il y a plus loin que ça ouais. Par contre pour revenir si on revient un jour... Ouais bah t'inquiète. Au pire on se planquera dans une petite cabane. T'as niqué et toi Chita comment tu vas? Bah ça va impeccable. Début de serveur difficile, parce que difficile de s'organiser, difficile de trouver un endroit, on connaissait pas la map. Mais là ça va, on commence à être à peu près stabilisé. On part sur un premier raid, enfin un premier raid. Ce qu'on pourrait appeler un raid. Ouais, c'est ça. Et on s'arrête là, si tu me vois. Ah ouais. Oh ouais. Je suis plus au-dessus, mais. Tellement bien le Gander. Mec, on a traversé toute la map, mon gars, en 2 secondes. Ah, c'est pour ça, le jetpack s'est shifté, hein. Vraiment. Attends, je vais regarder par rapport à là où on est. Oh regarde la place pour faire une base. Ah ouais, on est base. Bien plus loin, ok. Oh. De quoi oh, regarde la place là, le rocher bien plat là. Oh ouais, mais le problème, c'est qu'on a pas de volant, quoi. Oh, il rend fou. Et on grimpe là-haut, on va repartir. Mec, je te jure, je prends un grappin, je meurs à cause de toi, mais je t'insulte. Hein. Je te jure, je t'ai vu le faire tout à l'heure à Izanavi, quoi. Non, à... Lady. Lady, bon, après, Lady, elle était surprise, donc elle s'est pas rattrapée, tu vois. J'espère que j'aurai la décence de me dire... Ah. Ok, donc c'est bon, c'est par là-bas. D'accord, il y a la montagne, donc il faut qu'on aille jusqu'à la montagne, qu'on ressorte depuis la montagne. Là, on a encore du trajet. Après toi. Faut pas trop regarder en l'air parce que sinon on fait un piqué et pas trop regarder en bas sinon tu pars trop d'altitude. C'est le talent dans le jeu. Dans les, ça dans c'est quand t'appuies sur la touche de sprint en fait. Si tu fais pas majuscule pour sprint, c'est ouais. Bon en fait. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais mais moi je m'en sers, j'appuie plein de fois dessus. Pas, ça fait monter légèrement. Plus vite. Et tu sais genre ça te permet de reprendre un peu d'altitude à chaque fois. Quand tu spams. Ah, ouais. Un tout petit peu ça te fait monter légèrement.